On commence par cette information que l'on vient d'apprendre il y a quelques minutes. Des tirs ont retenti à proximité de Donald Trump. Le candidat à la Maison-Blanche se trouvait dans son club de golf en Floride. Bonsoir Anne Toulouse. Bonsoir. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Est-ce qu'on sait si Donald Trump était visé par ces tirs ? Non, on ne le sait pas. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il était, comme vous l'avez dit, en train de jouer au golf sur son club personnel à West Palm Beach, lorsque l'on a entendu des coups de feu. Alors, il était bien entendu entouré de son service de protection, des services secrets. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on a réellement tiré sur lui ou si les services secrets ont aperçu un individu suspect et l'ont poursuivi. Il y a donc une poursuite. Un individu se serait enfui en voiture et peu de temps après, la police de Palm Beach a fait savoir qu'elle avait arrêté un suspect qui, en ce moment, est en train d'interroger. Et il y a d'autres informations qui n'ont pas été vérifiées, selon lesquelles on aurait retrouvé à proximité un sac avec un fusil automatique, un AK-47. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des informations extrêmement diverses, extrêmement sporadiques et qui devraient être confirmées ou infirmées dans les minutes à venir, puisque les services secrets et la police locale de Palm Beach doivent faire un point de presse que l'on nous promet incessamment depuis environ trois quarts d'heure. Mais eux-mêmes ne savent sans doute pas exactement ce qui s'est passé et on ne sait même pas si la personne qui a été arrêtée était quelqu'un qui ressemblait, parce qu'il était en voiture, dans la même voiture que celui qui s'est enfui, ou si c'était vraiment le suspect véritable. Alors vous voyez qu'il y a pour l'instant beaucoup d'inconnus, mais tout ça est à replacer dans le contexte de l'attentat qui a eu lieu contre Donald Trump le 13 juillet dernier, où il a été blessé et où les services secrets américains avaient été mis en cause. Donc tout ça produit une grande émotion. Le président Biden et Kamala Harris sont tous les deux à Washington et ont tous les deux fait savoir qu'ils suivaient la situation et qu'ils se réjouissaient que Donald Trump en soit sorti sain et sauf. Merci beaucoup Anne Toulouse en direct de Washington pour